Bonjour à tous. Bon quatrième fin octobre sur l'hippodrome d'Angers, puis récemment deuxième sur la piste de Saint-Brieuc. Le numéro 2, Jurias, semble proche de sa course. Les deux derniers succès de ce protégé de Marc Sassier ont été enregistrés corde à droite. De nouveau présenté pieds nus et associé à Eric Raffin, ça peut être tout simplement le jour J. Difficile de ne pas lui opposer le numéro 16, Gerabello de Glane, qui vient d'aligner deux victoires à Montauban et Toulouse et trois accessites à Vichy et Royan lors de ses six dernières tentative. Alors oui, ce pensionnaire de Mathieu Auvray va devoir se sortir de son très mauvais numéro derrière la voiture, mais comme il s'est démarré, s'il n'a pas trop à en faire pour venir devant, il pourra garder une petite poire pour la fin, comme on dit, et jouer la gagne. Maintenant, justement, c'est à vous de jouer. Surtout, n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Côte dans la sixième.